fermé. C'est le cas de plusieurs locaux qu'on appelait studio photo. Si Marc Atropo a dû mettre la clé sous le paillasson, Assou Kouassi et Fulbert Rompé reconnaissent ne plus avoir les mêmes affluences d'entre-temps. Et pour cause, l'avènement des smartphones que les citoyens utilisent de nos jours pour se faire des photos, ce qui n'est pas sans conséquence pour les professionnels de ce métier. Nous sommes à l'ère de la nouvelle technologie et les smartphones ont pris le dessus sur notre métier. Aujourd'hui, est-ce que je peux dire que la photographie nourrit son homme? On essaie de joindre les deux bouts. Il arrive des jours, même vous avez plusieurs reportages et vous refusez parfois, vous fuyez l'appel des clients. Mais aujourd'hui, pour nous tuer, la technologie a amené les androïdes et aujourd'hui tout le monde se fait ses photos. Assou Kouassi s'est souvenu de cette époque où l'appareil analogique était utilisé avec les pellicules de 36 poses. Aujourd'hui, la pellicule est remplacée par la carte mémoire, soit des smartphones ou des appareils numériques qui ont bien des avantages. Pour lui, tous les ménages sont devenus photographes et les quelques professionnels qui sont encore sollicités le sont à cause de leurs expériences. Si tous les ménages sont photographes, lequel va appeler son second pour dire « viens travailler pour nous » C'est le problème auquel on est confronté aujourd'hui. Ça fait que le travail a baissé au niveau des photographes. D'autres sont sortis carrément pour se vaquer à d'autres affaires. Et nous, on a persévéré pour eux, on est encore dedans. C'est notre expérience qui use. Et par moments, on nous sollicite pour et des reportages de mariages, de grands enterrements et puis des colloques. S'il est préférable et facile pour les citoyens de se prendre en photo sans le secours d'un spécialiste, le risque pour eux, c'est de ne pas avoir d'archives. Moi, j'ai la photo de mon grand-papa. Je n'étais pas encore né et avant qu'il ne meure. Mais aujourd'hui, j'ai sa photo. Par quoi? Par le cliché, les anciens clichés qu'on avait. Aujourd'hui, avec les androïdes, les clients font les photos, les regardent pour quelques jours et il suffit que la carte ait un petit problème et tout est effacé.